C'est craqué là. Alors attention, parce que là on va vous annoncer le méga gros souvenir. Bah c'est tout mon amour. Les copains, on vient de recevoir le gâteau d'anniversaire pour demain seulement. Je t'aime. Maman, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis plus? Je t'aime. Dad. Je t'aime. Oh. Je t'aime. Ah oh ouais, mais t'as plein de choses à dire avant, c'est ça? Je t'aime. C'est craqué là. Est-ce que tu dois plaire? Zappé. Florian, on est en accéléré là ou quoi? Donc là, on va chez le pédiatre. J'avais complètement zappé le pédiatre. Hein. Ouais. Florian, elle arrive, elle me dit bébé, 14h20, faut y aller, 14h40. Oh, j'avais complètement zappé. Du coup, là, on y va. En 12 pis, on est parti. Et comme d'habitude, on va faire une petite estimation du poids de bébé et par rapport à la dernière fois. C'était quoi le poids, mon cœur? Bah déjà, la dernière fois, c'était le 5 février qu'on a été. Oh, mars, avril, mai, 3 mois. Elle faisait 8 kg 680 pour 73,5 cm. Elle a bien grandi. Hein. Ouais. Moi déjà, au niveau du poids, je vise direct les 10 kg. Ah ouais? Ah ouais. Plus qu'un pack d'eau. Franchement, quand je te dis que je galère à monter les deux escaliers, à la fin, je suis au bout de ma life. Elle faisait combien? 8 combien? 8,6. Eh ben, tu sais quoi, moi, je vais pas être gourmand. Je vais pas être gourmand. Je vais dire 9,4. D'accord, bah moi je reste sur 10. 10 toi? Putain, on a quand même là, pour le coup, on a 600 grammes d'écart. Ouais. Après, moi, pour le coup, je suis plus de force que toi quand je la porte, donc je sens moins le poids. Peut-être. Sur la longueur. Mais pour moi, elle pèse pas plus qu'un pack d'eau. Et un pack d'eau, c'est 9 kilos. Hein. Et au niveau de la taille, elle était à 73,5. Mais c'est vrai qu'elle a bien, oh, bien elle grandi. A bien grandi, hein. C'est quoi? J'ai envie d'être une gueudin et de dire 90 cm. 90? Ouais. Mais t'es une malade, mon cœur. Ouais, je suis une malade. Comment, bah, non, je suis 17 cm en... Bah, en 3 mois. En 3 mois, mais t'es une ouf. J'en sais rien. T'es une ouf. Bah, tu dis combien? Sincèrement, je dirais. Allez, 85. Oh, t'es chiante, j'aurais dû te laisser sur ton 90. Trop tard, 85. Moi, sincèrement, je dirais. Allez, t'as 73. Hein. Ouais. Je dirais 81. Moi, je suis dans la retenue. Hein. Ouais. Je suis dans la retenue, je dirais 81. Ce qui est déjà énorme, une prise de 6 cm. Non, je dis une bêtise. Une prise de 8 cm, wow, c'est chaud. Mais tu le dis, ça fait plusieurs jours, mon bug, tellement elle est grande maintenant. Moi, je m'arrête à 80. Pour donner une idée, tu restes sur 80. Ouais. 85. Quand elle se met debout à la table, elle tape la table. C'est combien en hauteur ça? 70. Ouais, c'est pas possible. Ah si, je te jure. Ah, c'est, allez, quoi, peut-être. C'est pas 90 en tout cas, mon cas. Ah, quoique. Non. J'en sais rien. Peut-être 80, une hauteur de table, donc j'ai raison. Du coup, toi. Moi, je dis 85. Ouais. Moi, je dis 80. Bon, on verra. 80. Bon, bah, du coup, ouais. Donc aujourd'hui, elle a ses vaccins. Donc en fait, c'est censé être les vaccins de 11 mois, mais qui peuvent être faits jusqu'à ses 12 mois. Et alors, attention, parce que là, on va vous annoncer le méga gros souvenir. Chris et Flo, si vous regardez cette vidéo dans 30, 40 ans, ou peu importe, même dans 10 j'ai ans, mal au bras, par contre. 15 ans. Ouais. Le 4 mai 2021, ouais. C'est le premier jour où votre fille vous a dit « Je t'aime ». Je le dis à sa façon. Hein. Ouais, tu le dis bien. Toute la matinée, elle a dit, elle a répété, du coup, « Je t'aime ». Et du coup, voilà, on a craqué un petit peu dans notre cœur. Donc, il faut qu'on se souvienne de ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonjour, mon amour, en prison. 6. On est revenu de chez le docteur des bébés, que Liliana déteste. Donc maman, je me pose 2 secondes. Maman, au niveau du poids, on en est où?
Liliana fait 7,370 grammes. 370. 9 kilos. J'ai dit 3 kilos ? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai bugué. 9 kilos, 370 grammes. Papa, il avait dit 9 kilos, 400. Je suis à 30 grammes du juste prix. Florian est à... Là, t'avais 10 kilos. 10 kilos. Putain, j'oublie des mots et tout depuis tout à l'heure. T'es à 600 grammes. J'ai chaud, les copains. Je viens de vider le coffre de la voiture. C'est l'inconvénient quand t'es papa. En vrai, ça. Hein ? Le temps que maman décharge bébé, toi, tu décharges voiture. Au niveau du poids, non, de la taille. Alors là, c'est le summum. J'ai limite un peu honte pour ma femme. C'est-à-dire que là, tu t'es pris une raclée, ma... Ils ont tous honte pour toi. C'est-à-dire que bébé, elle faisait combien, là ? Elle faisait combien ? Florian est en train de ranger les courses. On va vous faire un petit retour de course dans 5 minutes. Parce qu'on est allé faire des courses après le pédiatre. Elle est à 78,5. Ou 78 tout pile. Elle est à 78 cm. C'est-à-dire qu'elle a pris plus de 5 cm. Non, c'est 6,5. Plus de 5 cm en 3 mois. Et ben, c'est une grande fille. Voilà. Ben, bonne santé. Elle a crié du début jusqu'à la fin de la consultation. Même lui, il disait chut, 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 chut. Oh, c'est tout, mon petit cœur. Bref, et là on va vous faire le retour de course. Bon allez, c'est Florian qui va faire le retour de course puisqu'elle m'a dit que je suis plus marrant quand je le fais. C'est pas toi la dernière fois tu m'as dit t'essayais d'être drôle et t'es pas drôle. Ouais. Oh, comment aller les copains, dites en commentaire si c'est une chaîne ou pas. Alors, j'ai rangé par catégorie. Maintenant, demain, dimanche. D'accord, ok. On réessaye. Je t'aime. Moi tu parles. Brocoli. Et des oignons, parce que là j'arrive à la fin du sachet. Tu veux donner à papa ou tu veux? C'est bon? Ah, c'était gorgé que t'as pris. C'est bon, c'est de la grenadine. Bah c'est tout mon amour. Donne-moi ça, je vais pas. Je vais pas, vas-y dans. Attends, peur. Bah va, je vais. Oh bah dis donc, tu vas te nouiller dans la grenadine. C'est tout, c'est tout. Du produit vaisselle. Là, tu fais spray de comme. Avec Chris, on a envie de tenter l'huile de noix de coco plutôt que de l'huile de... L'huile de... Je vais pas y arriver. L'huile d'olive. L'huile d'olive. On s'est dit qu'on allait tenter l'huile de coco. Ensuite, une bougie pour demain. Au cas où. Parce qu'en fait, on avait un doute si on en avait une, donc du coup... On en a une pour dimanche, mais pas... On en a une pour dimanche, mais pas une pour demain, et on sait pas... Bref. De la vache kiri et du kiri, parce qu'il en faut toujours. J'ai trouvé ça. Alors oui, j'exagère, vu tout ce qu'on a déjà, mais écoutez, je suis faible. Ensuite, pour demain, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, si vous n'avez pas suivi lors de notre dernier, comment ça s'appelle ? Unboxing, où on vous montrait la déco. En fait, bah, du coup, je vous le dis, on a un porte-donuts. Bah, du coup, il fallait acheter des donuts. Et ceux-là, ils sont à la mangue. Et ceux-là à la myrtille. Et franchement, ils ont l'air trop bons. Alors la question, c'est pourquoi s'ils ont deux emballages différents, ouais. Bref, j'ai refait du stock du Perrier fraise. J'ai pris de la farine. Ah, et là, on arrive à la partie de dimanche. De la farine. Peut-être pas besoin d'autant, mais au moins, j'en ai un d'avance. Levure chimique. Ouais, c'est pour vous l'autre en plus. Oui, t'as vu, je suis marrante. Hein. On a pris deux trucs de tranches de gouda. Du saumon. Un saucisson. Chris, il m'a dit... T'as vu, lui, il est large, au moins ça change de d'habitude. Et quand je vais le couper, j'en mangerai la moitié. Non, c'est moi qui le coupe, comme ça je fais des petites tranches et j'en mangerai la moitié quand je le couperai. Voilà, voilà. Des 3D goût fromage. Du thon. Des tucs au bacon. Des donuts. J'ai pris caramel, cacahuètes. Du cheddar. Vous verrez très vite pourquoi. Quand. En fait, vous saurez tout dimanche. Parce que je vais tout préparer samedi. Du jambon et du blanc de poulet. Un Philadelphia, du fromage râpé, saveur fromage jambon. Ah ouais, ça a l'air bon. De l'alcool, un pulco, non, un pulpé orange, un coca, un iced tea et un Pepsi. Et j'arrête parce que le téléphone il sonne et du PQ. Bon, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de ballons à gonfler pour l'anniversaire de Liliana.
On va faire la décoration ce soir, mais je crois qu'on va prendre un petit peu d'avance sur le gonflage des ballons, parce que sinon on va plus avoir de poumons. Même si on a ça, on n'aura plus de bras. Donc du coup, je pense qu'il est temps de gonfler les ballons, les copains. Donc je vais mettre un petit accéléré, c'est parti. Les copains, on vient de recevoir le gâteau d'anniversaire pour demain seulement. Pour demain. Je ne sais pas comment nous allons faire pour manger tout ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je vous montre un petit chouïa. J'ai dû bouger le frigo. Donc là, on a les courses pour dimanche que vous avez vu tout à l'heure. On a une surprise qui est juste là, qui n'était pas prévue. Mais du coup, c'est une super surprise, je l'ai vue. Et le gâteau qui fait juste cette taille-là. Donc voilà, je vous en montre pas plus. Vous verrez demain, ok? Mais ouh, j'ai trop hâte d'être demain. Je crois que je vais aller me coucher tout de suite.